Ronald Wimmer, journaliste américain et consultant international, partage son savoir aux journalistes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Son expérience va permettre aux journalistes de la télévision nationale d'être plus dynamiques dans le traitement des informations. Akasaye Lazar, directeur général de la RTI, s'est réjoui du soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il invite les journalistes à profiter de ce séminaire de formation. Selon lui, l'excellence repose sur la formation de qualité. La RTI vers laquelle nous voulons aller, nous voulons tendre, doit être une RTI d'excellence. Et les journalistes qui sont, et les caméramans qui sont donc, disons, en tête de pont de cette excellence, ne doivent pas du tout faire preuve de laxisme. Pour le conseiller de presse et des affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ce séminaire est un appui à la RTI dans la redynamisation de ses chaînes de radio et de télévision. C'est nécessaire que la RTI sera prête quand vous aurez la concurrence dans le futur. Et la meilleure manière d'affronter cette concurrence, c'est de développer votre excellence. Durant 5 jours, les journalistes et cadres de la RTI vont se perfectionner aux techniques de reportage et de prise de vue.